Je viens de prendre une marche jusqu'au Walmart. Je me suis ramassé plein de petits produits elf, maquillage, un lipstick, un crayon, un petit. Puis là, il faut que je réussisse à escalader ça avec mon genou qui me fait mal. Aventure! Yes! 2 miles. J'ai fait une demi-heure, c'est fini. Yeah, puis capable. Ça permet de faire que j'ai mon pour je mange un pita au poulet tzatziki pendant que je télécharge toutes les vidéos de moi qu'il y a sur YouTube pour les mettre dans mon disque dur au cas où que je les perds un jour. Je veux garder les souvenirs. Bon, je veux une table comme ça chez moi avec des bancs comme ça. Je trouve ça beau. Bon, ben, j'étais pas préparée à ça. Mais il y a un petit coin qui vient de rentrer dans le bureau. Oh, mais je suis pas capable d'arrêter de pleurer parce que je viens de voir le corgi. Asti que je suis pathétique. Voici comment je joue avec un corgi. Je te veux dans ma vie. Prenez mon chien. Mon frère vient tout juste de faire une entrevue à Radio-Canada parce que il vient de fonder sa propre équipe au cégep de Matane. Ça, c'est son entrevue. C'est fou de croire que la NASA fait partie de FIRST, qui est une compétition de robotique internationale. En fait, elle agit plus comme un commanditaire majeur pour cette compétition-là. C'est une compétition qui s'adresse à des jeunes de 14 à 18 ans. Et effectivement, ce samedi 9 janvier, le défi nous sera annoncé. C'est un défi qui change à chaque année. Donc, à partir de ce moment-là, on aura seulement 6 semaines, c'est-à-dire 45 jours exacts pour concevoir, construire, programmer et tester un robot capable de relever un défi vraiment difficile. Mais le défi... C'est beau! Someone's stuck up there. Oops! On est dans l'endroit où c'est les meilleurs hamburgers pour le moment. That is the coolest. Ça a l'air que tu fais ton propre burger. Moi j'ai une salade, fait que j'ai pas de problème là. Ça a l'air bon. You're writing my name. Mm-hmm. Which one is your favorite? I think this is the best one so far. On s'amuse avec sa tablette. You know what? What? I think my favorite part of being in your videos is that you only just put shots of me not saying anything. I just stand there because you speak things in French and I don't know what's happening. It's time for an English lesson. Okay. Repeat after me. I slit the sheet I slit, upon the slitted sheet I sit. What the fuck? I slit the sheet I slit, the... Don't know. I don't know. I'm not that good in English either. Les premières 38 secondes, 30-40. Ça, c'est le pire. J'ai fait 30 minutes! Wouh! Ça, c'est mon visage après sport. Puis oui, je suis assise sur un bol de toilette. My coach court encore. Pendant que moi, je suis décédée. Bye! Je laisse Michael finir toute seule. Moi, je m'en vais me laver au plus sacrement. C'est parce que aux États-Unis, là, depuis que je suis ici, comme vous avez probablement pu le voir dans mes dernières vidéos, je mange comme une putain de truie. Fait que j'ai décidé que j'allais pas me laisser retomber comme j'étais l'année passée, parce que l'année passée, j'avais quelques livres que moi, je n'aimais pas. Je suis comme dans un bon juste milieu. J'ai déjà été plus mince que ça. J'ai déjà été plutôt tonne. Je veux conserver ce que j'ai présentement. Index. Okay, I guess this is just how life is now. J'ai fait 4 versions d'un montage, puis je viens de tout perdre. Puis faut que je recommence du début pour un client. Je vais exploser de quoi? Je suis plus capable. J'ai essayé de me remettre du fait que j'ai tout perdu. J'écoute New Girl depuis quelques heures. Je me détends. Ça va bien aller. On est venu au bureau de Michael parce qu'il fallait qu'il écrive de la musique. I was standing with my friend Charlie McDonald, and Lisandre was there with her friend Gabrielle. I guess you watched Charlie's videos when you were very young. Yeah. So she got a little excited, but she didn't want to say hi to Charlie. So Gabrielle took it upon herself to go over to Charlie and tell him that Lisandre had been watching his videos since a long time ago, and she was a big fan, and she really liked him, and whatever. So as Gabrielle is telling Charlie this, I'm getting really jealous because I had been looking at this very pretty girl sitting at the table over there, and I was like, oh, she's very beautiful.
And then Gabrielle comes over and starts talking about how she's just interested in Charlie. Aww. But we became friends! Il neige, mes amis, regardez comment c'est beau! Aujourd'hui, j'ai filmé un tutoriel de maquillage qui va être en ligne éventuellement. Et j'ai fait du montage encore. Yes, ça va être productive! On est dans un endroit burger, c'est super joli. Il y a plein de plein au plafond. Lamburger time. Lamburger time. We just both bust our phones out all the time. Un shake pour framboise. Yeah. Ok, ce gars-là dans New Girl, je le trouve tellement fucking chaud. Allô? On marchait jusqu'au fond. J'avais une affaire comme ça quand j'étais petite, sauf que moi, les filles étaient vraiment plus chaudes que ça. Un jeu de party pour des gens horribles. C'est ça que j'ai besoin dans ma vie. On a été chercher Caitlin du Burger King. Puis là, on va jouer à des jeux vidéo. Montre-moi really Minecraft. I was gonna show you the server that I host online, but my computer keeps crashing. Je suis encore en train de manger. Regardez comme c'est beau. Ça va être l'aventure, ok? On se promène sur la pizza. C'est un adventure. This is how it feels to walk on a pizza. Je viens de booker mon autobus, c'est confirmé. Je pars pour Seattle mercredi prochain. Hey! Buffalo chicken, yes! Un deuxième grand Oreo shake! Dieu existe! Dieu existe, Michael! Quoi? It is so beautiful! Ok, on prend une marche avec mon nouvel ami Mike. Oh, regardez comme c'est cool! C'est un photographe complètement débile. And then the back of one. C'est lui qui a pris ça en photo, c'est complètement fou. On a pris des photos, Big fire. So this song is like about, I don't know, if you're ever out in public or at a coffee shop or something and you see somebody who's really cute or attractive and you like make eye contact with them but you don't go talk to them, instead you just like go about your day and you're like, damn, I wonder what would have happened if I went and talked to them. That's kind of what this whole song is about. It's like, just go say hi. What inspired me to write this song? If only I could write a song to make you fall in love. Shel Silverstein, because you got me falling up. Close to the heavens, so heavenly, girl, you called my bluff. And I would let you sit next to me here from dawn till dusk. As I was walking up in the coffee shop, and so I had to meet you. Not the barista, but you ordered up your cappuccino. Without the sweet stuff, we locked eyes, accompanied by your smile. And it blew me away, cause I haven't seen the type of look in a while that look could defile evil. And it did possibly leave it a tip. And I could believe out of all of the people that you were the one that I want to be with. Because that glance that you shot me, it caught me off guard. Without a chance for you to stop me, I was walking out far. Mike here, in the parkour. On s'en va dans des natural hot springs, un spa naturel dans le milieu de la forêt avec de la bière. Est-ce que la vie est parfaite? Je pense que oui. On est présentement dans le milieu du bois. Je suis excited. Just walking, middle of the forest. C'est effrayant. Je veux pas mourir. Oh god. J'essaie de pas mourir, c'est pas évident. Mon cellulaire est gelé, je peux rien voir. C'est tellement étrange parce que présentement où est-ce qu'on est, il y a aucune lumière qui vient de où que ce soit. C'est juste la vraie nuit. So crazy! Regardez comme la neige brille! Et bon, mon traversé dessous de l'arbre et l'aventure! Oh god! Good job! We made it! Et c'est l'eau la plus chaude que j'ai jamais vue, on est en plein milieu de la forêt! C'est so fucking amazing! Nous sommes présentement dans les hot springs. Ok, let's scream. Je veux pas m'en aller, jamais.
Au revoir, Hot Springs. Je peux pas croire que j'aime vivre ça. Going back to the car. Puis je pensais qu'en sortir, ça allait être vraiment froid, mais honnêtement, c'est pas si pire que ça parce que j'ai eu tellement chaud dans ces zones naturelles que maintenant, je me sens très bien. Puis là, j'arrête pas de tomber dans la neige. Je suis dans un arbre! It's so cool! Mes cheveux sont complètement gelés. Ce fut officiellement l'une des plus belles expériences de ma vie. On peut rien voir présentement, mais ce que je vous montre, c'est un ciel plein d'étoiles. C'est magnifique. Pizza, pâte. Barbecue chicken pizza, yes! Full love, yes! And cards against humanity. Yes! Yes! Yes, the best one! J'ai mangé trois points de pizza puis j'ai vraiment l'intention d'en prendre un autre. Je me suis lancée, je mange une quatrième pointe. On va écouter le speech d'Obama en juin 4. Yes. Yes. With only a bag of magic beans and his wits, that thing that electrocutes your abs, my worthless son, having shotguns for legs, elderly Japanese men, a falcon with a cap on its head, like my worthless son. Yeah. That was good. On a terminé le jeu. Who won? Moi. Michael won. Oh, oui. Yes. C'est ton chat. Sur la boîte! C'est ma cinquième pointe de pizza. J'ai décidé d'exploiter mes anciens stretchs. C'est fou de réaliser qu'ils ne deviendront jamais plus petits que ça, à moins que je décide de me faire chirurgie. C'est une application qui fait des photos en dimension. C'est trop cool. C'est comme dans Harry Potter. Je suis filmé dans ton vlog. Tu me filmes que je me sens tout seul encore. Attends, je vais montrer la tempête de neige dans ton vlog. D'où tu viens, quoi ça a l'air. J'aime bien les tempêtes de neige. Hein? Ça, on dirait tout le temps qu'il fait beau quand tu filmes. Mais non, ça a l'air un peu empêteux. Ouais, c'est ah bon, fait que c'est papa. Oui, allô, dans le vlog pis tout. C'était officiellement ma dernière journée à Missoula, Montana. Il me reste encore à tout paqueter mes affaires, finir le montage, mettre ça sur internet et à 8h30 ce soir, je rentre dans l'autobus et je pars pour Seattle. Donc, vous allez avoir plus de nouvelles à la prochaine vidéo, j'imagine. Bye bye, full love.